Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais découvrir le pass de combat et vous présenter le pass de combat de la saison 4 Fortnite chapitre 3. Alors c'est parti, donc j'ai pas encore été voir hein, parce que j'avais tellement de vidéos à faire hier, donc j'ai préféré vous faire les vidéos défis avant de vous présenter le pack, enfin le pass. Donc le pass de combat, hein, comme d'habitude, coûte 950 V-Bucks, ok. Donc nous avons une petite émoticône juste ici, nous avons un sac à dos, nous avons une émoticône encore. Ouais. Une icône de bannière plutôt. Nous avons une traînée de fumée, oh, qui est très 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 classe, avec le point zéro. Nous avons un revêtement, nous avons le skin paradigme, réalité 659. Nous avons l'écran de chargement, nous avons un aérosol, nous avons une pioche qui est très stylée aussi. Nous avons bien entendu 100 V-Bucks. Je vais les acheter direct. Boum, merci. Ok. Alors, il faut savoir que je suis déjà niveau 16, le poteau. 16, rien qu'en faisant les défis. Et n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, si vous voulez acheter le pass de combat, n'oubliez pas de mettre le code créateur SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent. Alors, continuons le pass. Alors, en deuxième page, nous avons, donc, bien évidemment, hein, pour débloquer la deuxième page, il faut être niveau 10, puis débloquer la troisième page niveau 20, puis niveau 30, etc., etc. Ou alors, il faut acheter des objets, comme il est marqué, déverrouiller 16 récompenses pour débloquer la page. Vous voyez? Ok. Donc, déjà, on va acheter les 200 V-Bucks qui sont là. Hop, hop. Parfait. Donc nous avons 200 V-Bucks dans la page numéro 2. Nous avons un écran de chargement. Nous avons un revêtement. Nous avons une icône de bannière. Nous avons un skin qui est plutôt pas mal. Oui, ça va, j'aime bien. Nous avons son planeur qui déchire tout. Nous avons sa pioche qui est incroyable aussi. Ça me fait penser à un Venom. Nous avons son sac à dos. Ouais, un archip. Ouais, bof. Nous avons sa musique. Alors, en page numéro 3, nous avons un aérosol, nous avons un planeur qui est stylé, mais what the fuck, ils ont fait des putains de planeurs, hein. Nous avons 200 V-Bucks dans la page numéro 3, nous avons le skin paradigme combinaison d'entraînement. Ouais, donc c'est juste la combinaison qui change, hein. Je préfère, ouais, ça, en vrai, c'est pas mal, en fait. J'aime bien le rouge, en fait. C'est cool. Nous avons une deuxième variante du skin. Alors là, il n'a pas de masque. Et là, il a un masque. Et ses cheveux sont attachés et détachés. Ok. Donc ici, nous avons une émoticône. Ah, nous avons encore une autre variante du skin. Fusio. Ok. Ouais, il est pas mal en vert. Un écran de chargement, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ouais, sinon je ne vous l'avais pas dit. Alors en page 4, nous avons 100 V-Bucks. Nous avons une traînée de fumée que j'aime pas trop. Un écran de chargement qui est stylé, une icône de manière, encore une nouvelle variante du Fusio. Alors le Fusio a déjà 4 variantes en 4 pages, une nouvelle musique, le personnage grise, le personnage grise qui est très stylé, et on peut voir qu'il a une manette de play hein, dans sa main, je rigole pas, hein, c'est une manette de play ça, ou peut-être pas, mais voilà, il est assez stylé, il est assez spécial, et je kiffe réellement. En plus, il a une émoticône spéciale où le gros personnage porte le petit personnage qui est dans son ventre, comme à la Roi Lion, donc c'est assez sympathique. Ici, nous avons une émoticône, un sac à dos qui ira. Ah non, c'est un planeur, excusez-moi, qui ira très bien avec le skin grise. Nous avons sa pioche, qui est sûrement une pioche qui se déforme quand vous tapez avec. Est-ce que je peux voir quand je tape? Ouais, non, ça fait rien de spécial. En page 5, nous avons une émoticône, un planeur. Ouais. Une icône de bannière, 100 V-Bucks, un écran de chargement, un revêtement, un camouflage, quoi. Un sac à dos. Oula, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est une conserve de poisson ou une boîte de poisson, ouais. Une pioche, une émote,
qui suit le point. Ok, c'est normal, c'est un chat. Et nous avons Miaourginal, donc le skin. Personnellement, la page 5 ne m'intéresse pas. Je pense que c'est la page qui m'intéresse le moins pour l'instant. Après, le skin est pas mal. J'avoue que le skin est quand même pas mal. Alors ici, 100 V-Bucks, 200 V-Bucks, on a dans la page 6. Nous avons un écran de chargement. L'écran de chargement de la saison 4 de Fortnite. Nous avons la pioche, nous avons la traînée de fumée qui est rose, qui ne m'intéresse pas du tout. Un sac à dos en forme de lapin, donc la pioche à la limite, ouais, vite fait. Le sac à dos, ouais, ça, le sac à dos il est pas mal parce que c'est un lapin avec deux guns en main. Donc je trouve ça assez stylé, assez what the fuck, donc ça c'est cool. Un revêtement, donc un camouflage pas très ouf. Ah, voilà l'émoticône que je vous parlais. Donc voilà, avec Simba, porte-moi lol. Ok, nous avons le skin Lennox Rose. Ça fait très manga, hein, très très manga. Nous avons l'aérosol, nous avons voilà. Alors en page 7, nous avons une icône de bannière, nous avons un revêtement, nous avons une émoticône, nous avons une pioche. Ah non, c'est un planeur. Ah ouais, un planeur, donc à mon avis, on est dessus, c'est comme un snowboard, un skateboard, c'est stylé. Nous avons une autre variante de Lennox qui est beaucoup plus stylée que la première. What? Pourquoi il me change de skin? Nous avons 100 V-Bucks, nous avons un aérosol. Nous avons une belle image, un bel écran de chargement. Et nous avons le paradigme en combat de en combinaison de combat lunaire. Quoi? J'ai cru qu'il avait changé. Ah oui, si, il y a une sur 4, ok. Il y a 4, ah ouais, ok. Là aussi, il y a 4. Il y a 4 styles. Pourquoi ça change pas ici? Il est marqué 1 sur 4, je comprends pas trop. Là, il est marqué 1 sur 4. Là, il n'est pas marqué 1 sur 4. Pas 1 sur 4. Là, 1 sur 2. Ah ouais, ok. 1 sur 2, d'accord. Ça me donne celui-là, quoi, en fait. Je crois qu'ils ont bugué, hein. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est un peu bugué, je crois. Enfin, bref. Alors, nous étions à la page 7. Nous passons à la page 8. Donc, dans la page 8, nous avons un aérosol, un sac à dos. Bof. Un écran de chargement, bof. Le skin jumeau, qui est quand même pas mal. Ah ouais, 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 ouais. Je valide. Ouais, il est vraiment bien. Ça me fait penser à Apex Legends. Nous avons une pioche qui est très stylée, qui ira bien avec le personnage. Nous avons une musique. Nous avons une variante du Miaourginal, mais que je n'aime pas du tout. Ouais, pas du tout. Nous avons un planeur qui ira bien avec le skin jumeau. Et nous avons 200 V-Bucks. Ensuite, en page 9, nous avons une icône de bannière, 200 V-Bucks. Nous avons... Quoi? Alors là, c'est complètement buggé parce que normalement, c'est pas une émote, mais c'est un... Ah! What the fuck, man? Genre, le skin se transforme. Ah non, d'accord! Non, sérieux? Genre, c'est jumeau? Quand il met ses lunettes, il se transforme en meuf. Mais c'est une scène, ça. En fait, ça veut dire que vous avez un skin mec et un skin meuf directement. Waouh, ça c'est stylé. Franchement, première fois qu'ils font ça dans Fortnite et je trouve ça très stylé. Nous avons une traînée de fumée, une émoticône, un revêtement. Donc ouais, le revêtement à l'effigie du skin meuf. Que j'aime vraiment bien. Hein, entre guillemets, je la trouve vraiment... Ouais, ça va, elle est pas oufissime non plus, mais elle est quand même stylée. Elle est quand même stylée, avec ce petit jupe là. Nous avons un aérosol, et nous avons le paradigme camouflage océanique. Ok, c'est plutôt... Ouais, plutôt pas mal. J'aime pas trop le rose, donc le bas, j'aime pas trop. Mais on peut enlever son casque, apparemment. Alors, la dernière page, en page 10, nous avons une pioche de Spider-Man, de Spider-Gwen, qu'est-ce que je dis, Spider-Gwen. Nous avons une émoticône, non, une icône de bannière, nous avons une émoticône, nous avons un sac à dos. Alors là, pendant ce temps-là, c'est un sac à dos en forme d'image de BD.
qui reste statique à votre écran. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais, mais après, c'est pas ouf, hein. C'est des images qui ne sont pas ouf, j'aime pas trop, mais je pense que ce concept est plutôt pas mal. Alors, nous avons une émote. Ah ouais. Est-ce que je peux avancer comme ça là? Waouh, en plus, avec Sanboku, ça peut vraiment bien le faire, cette petite émote là. Nous avons un planeur, le spider parachute de Gwen. Nous avons l'aérosol. Nous avons 100 V-Bucks. Nous avons le skin Spider-Gwen, qui est un peu cartoonesque comme ça. Qui est plutôt pas mal. En tous les cas, elle est très sexy dans sa combinaison. Et nous avons l'écran de chargement. Alors, plus tard, quand vous serez niveau 100, vous pourrez débloquer les récompenses bonus à partir du niveau 101, 102, 110, 120, etc. jusqu'à 200. Donc, dans la première page, nous avons un style de jumeau en noir, comme ça. Bah, je le préfère en original, j'ai l'impression. Après, c'est classe quand même. Je sais pas, je trouve que c'est du queer et je sais pas, j'aime pas trop. Alors, ici, nous avons une émoticône. Vroom vroom! Ah, je ne peux pas l'entendre parce que c'est une musique copyright. Nous avons le paradigme combinaison de combat céleste. Ok. Une variante quoi. Hein. En vert, blanc. Nous avons un revêtement animé. Nous avons une variante du skin grise. Ouais, bof. Alors, en page 2, nous avons Spider-Gwen. Oh là là, à chaque fois je dis ça. Spider-Gwen sans sa capuche. Très stylé, hein, franchement, j'adore sa coupe. Nous avons le paradigme en combinaison à nanofibre. Ah, qui est plus stylé aussi. Nous avons une variante de l'Enox Rose. Alors là, j'aime pas du tout. Ça, c'est pour les filles. Hein. Ah, il en faut pour tout le monde. Hein. Nous avons une variante du skin jumeau. Rose encore, hein, il en faut pour tout le monde. Ah ouais, c'est le skin jumeau, donc c'est le mec qui porte ses lunettes, quoi. Et nous avons une traînée de fumée, qui est plutôt pas mal, qui me fait penser à l'arbre de réalité, qui est bien sûr maintenant un arbre défeuillu, si ça se dit comme ça. Donc pour l'instant, on n'a pas accès à la page 3, ni la page 4, ni la page 5. De toute façon, quand ce sera disponible dans 17 jours, je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter ça. J'essaierai de la mettre en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Et voilà, donc là, je vous ai présenté tout le pass de combat de la saison 4 de Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique de Fortnite. Merci à tous ceux qui le mettent. Et si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace!